Merci d'être avec nous. Il est bientôt 9h30. Le live BFM, tout savoir, tout comprendre. Dans la prochaine demi-heure, un troisième foyer de contamination au coronavirus en France, en Bretagne. 130 cas officiellement répertoriés dans le pays, dont au moins 3 enfants. 12 régions sur 13 désormais touchées. Dans cette émission, les toutes dernières infos sur la propagation du virus. Les conséquences, évidemment, avec notamment Édouard Philippe en déplacement au CHU de Bordeaux. Ce matin, ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Bruno Le Maire qui promet des aides aux entreprises. Le Salon du Livre de Paris qui est annulé, le Louvre fermé, les rassemblements de plus de 5000 personnes interdites, le coronavirus inquiète désormais 61% des Français, pourcentage inédit dans une crise sanitaire. Et puis, dans le reste de l'actualité, il y a de la politique avec une riposte qui s'organise après l'annonce d'Édouard Philippe samedi. Le Premier ministre déclenche le 49-3 pour faire adopter le projet de réforme des retraites. 2 motions de censure ont été déposées. Les syndicats prévoient de se mobiliser. À 9h30, l'essentiel de l'info, c'est avec Céline Moncel.